Et pour commencer Mickaël, l'autoroute A13 pourrait rester fermée une bonne partie de la semaine entre Vaucresson et Paris, et ce dans les deux sens de circulation. Dans le meilleur des cas, elle ouvrira en milieu de semaine. C'est ce qu'annonçait ce matin sur France Bleu Paris Sophie Dupas, la directrice adjointe de la direction des routes dîle de france Vendredi dernier, l'autoroute a été fermée dans les deux sens de circulation pour des raisons de sécurité. Une fissure transversale d'une profondeur de 50 à 80 cm a été observée dans le secteur de Saint-Cloud. Avec la fermeture de la 13, le site citadin recensait ce matin plus de 300 km de bouchons entre 8h et 9h. Il fallait, il fallait compter une demi-heure pour aller de Vélizy à Saint-Cloud et une heure de Bois-d'Arcy à Saint-Cloud. On fait comment pour éviter les bouchons alors Alors pour rejoindre Paris depuis Roconcourt, il est conseillé d'emprunter la 12 puis la N12 en direction de Versailles et si vous souhaitez rejoindre Paris depuis Bois-d'Arcy, il est recommandé de prendre la N12 de, en direction de Versailles. Dans les deux cas, vous pourrez ensuite récupérer la N118 en direction de Paris. Pour faciliter les déplacements, le député des Yvelines, karl Live, a même proposé une autre alternative, rendre gratuite la 14 et le duplex de la 4 qui relie Rueil-Malmaison à Vélézy à faire à suivre. Ça a été officialisé ce week-end. Emmanuel Macron sera en déplacement mercredi à plaisir. Il enfilera même les crampons pour fouler la pelouse du stade Bernard Giroud. Oui, Grégory, le président de la République disputera un match de football caritatif au profit des pièces jaunes avec le Variété Club de France. Seront présents le parrain et la marraine de l'association, Brigitte Macron et Didier Deschamps, qui participera également au match, d'après nos confrères d'Europe Le président jouera au poste de milieu défensif. À ses côtés également, Yann Seyman, Laurent Blanc ou encore Christian Carambeux. Ce n'est pas la la première fois qu'Emmanuel Macron vient dans les Yvelines pour mouiller le, maillon, le maillot en 2021, il avait participé à un match pour les 50 ans du Variété Club de France au stade Léo Lagrange de Poissy. Pour le match de mercredi, coup d'envoi à 17h au stade Bernard Giroud, à bon, On l'a vu, vu sur ces images, il avait inscrit un penalty, Un pénalty, oui. Il a, euh, il a marqué un but, peut-être qu'il marquera un doublé hein, <laughs> mercredi. Autre information, la ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Katabi, était en déplacement à Bux. C'était cet après-midi. À quelques jours de la journée mondiale des chiens guides d'aveugles, la ministre s'est rendue dans le centre d'élevage et d'éducation Jacques Bougnol, l'occasion pour elle de rencontrer professionnels et bénévoles, mais aussi de rappeler que les chiens guides d'aveugles sont une aide quotidienne, indispensable pour rappel. Le centre forme plus de 80 chiens par an. Et on termine, Michael, avec le groupe Orange qui renforce son réseau 5G sur la commune de Guyancourt. 5G de 24 mètres a été inaugurée vendredi dernier au Golfe national de 50 ans en L'objectif, permettre aux habitants et aux entreprises environnantes de bénéficier de la meilleure qualité de réseau mobile. Autre enjeu fondamental pour Orange, couvrir la connexion réseau des visiteurs lors des Jeux Olympiques de cet été. Sur place, j'ai rencontré Karine Dussert-Sarthe, la directrice d'Orange île de france On l'écoute. Le débit 5G, c'est 3 à 4 fois supérieur en moyenne à un débit 4G. Donc cela va permettre de couvrir les 30 000 visiteurs au quotidien qui vont aller euh, regarder les, les, les compétitions. Et donc c'était important de pouvoir les couvrir euh, en 5G euh, et de leur apporter la capacité nécessaire pour que chacun puisse se connecter au même moment. On le rappelle, Orange est partenaire et fournisseur officiel de Paris 2024. Merci Mickaël, vous restez bien entendu avec nous pour les actualités sportives dans les Yvelines.